Hey yo les amis, Sam et on se retrouve aujourd'hui, non pas pour ce 39, non pas pour ce 38, mais pour bel et bien ce 40e épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. 40 épisodes, déjà, j'ai envie de vous dire, la dernière fois, nous avions grimpé toute la colline du Mont Hébra, d'ailleurs il y a ça qu'il va falloir qu'on visite à la fin. Je suis sûr qu'une fois qu'on aura terminé, on aura sûrement une quête secondaire avec le frère du Yeti, Kostra. Et donc, on a réussi à monter du coup tout en haut du Mont Hébra, à traverser tout ça en quelques minutes en vrai. C'était pas si compliqué en vrai. Et on est arrivé du coup ici, dans le temple de l'Anel. Avec non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre. Mais même 5 en comptant le rez-de-chaussée, étage. Ce qui se révèle du coup être tout de même apparemment assez long. On rappelle qu'on peut utiliser l'inel parce qu'on est trop fort. Fin du débat. Voilà. Et qu'il va falloir à mon avis qu'on fonde pas mal de trucs comme ça. Et qu'il y a sûrement des trucs qu'il ne va pas falloir fondre. Eh oui. Donc du coup... Faut vraiment être collé hein. S'il n'est pas exactement collé, ça ne va pas. Oh, ok, donc une sorte de circuit électrique du coup pour ouvrir ce gros mur qui apparemment ne peut pas être fondu. Très bien, j'accepte. Juste ici, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Ah, rien du tout. Bon. C'est pas grave, continuons notre chemin. Ok. Ah. Bam. Voilà. Elle ne la fait pas à moi. Hein. Le coffre est là. On récupère juste les rubis. Allez, par contre, ça va glisser. Oh, je sens qu'on va avoir la fameuse épreuve où il va falloir mettre un bloc à un certain endroit. En vrai, elle a rien à foutre là, cette épreuve, étant donné qu'on peut faire apparaître des blocs. Ou alors, ça va être un bloc spécifique qu'on ne peut pas copier. C'est possible aussi. Ok, donc il y a cette sorte de source d'énergie qu'on va pouvoir apparemment... alimenter. Attendez, 5 secondes. Hop. Comment on peut y aller? Est-ce que les lits ça marche? Ma foi. Alors comment est-ce qu'on récupère ça par contre? Parce que je comprends un peu le fait qu'il faille. Attendez. Par simple esprit de déduction, je vais juste essayer de mettre du feu là-dedans. Ça a l'air d'être un symbole un peu feu. Ouais. D'accord. Je suis en train de réfléchir. Comment on peut faire ça? Ah bah peut-être tout simplement comme ça. Ouais. J'oublie constamment qu'on peut bouger les trucs de cette manière. C'est assez fou quand même. Voilà. Et tout simplement faire ceci pour... Ah, c'est une clim en fait. C'est une clim à chaleur. Du coup là, normalement, la sphère est épuisée, il n'y a plus de sphère, c'est ça. Elle est revenue à son point de départ, très bien. Très bien, d'accord. Donc ça va se marcher, ça va marcher à coup de clim à chaleur, quoi, en gros.
Voilà, comme ça t'attaques directement la tête, hein. On n'est pas bête. Alors. Boum. Oh. Intéressant. Eh oui, comment on est censé faire? Ok, je sais, on va faire des nuages. Ouais, c'est un peu long. Mais attendez, les nuages, on les a utilisés quand même. J'ai un peu plus qu'une fois. Ils sont pas censés être si loin. Alors on va laisser ça cracher là. Ah oui d'accord, ça se pète vraiment vite hein. Ok. Je vais pas vous mentir, il y aurait pas ces deux trucs là. Ça m'arrangerait. Allez d'accord. Ah. Oh, j'ai une idée. Alors attendez, celle-là elle va être vraiment bien. Ok, bon, raté. Regardez. Ah je suis en génie. Quoi? Que pour ça? Oh non, ça valait pas l'effort. Ça ne valait pas l'effort donné là. Je suis pas d'accord. Bon, ça valait pas l'effort donné, mais au moins on a réussi. C'est le plus important, c'est le plus important. Hop, là tu fais ça. Voilà. Et là tu fais... ça. Merci. Hop, hop. Ah oui, alors attends, faut pousser encore un peu, voilà. C'est par là. Ok, donc là une nouvelle clim. Le problème c'est qu'il va falloir, oula, fondre un certain nombre de choses. Ah, yes. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok, c'est pas pour tout de suite. Mais on y viendra, on y viendra. J'imagine que de par ton statut de feu, tu ne peux pas passer. Oh, ça fait glace sinon. Intéressant de fou. Mais du coup, ce n'est pas très intéressant pour nous. Eh oui, Jamy. D'accord. C'est super stylé en vrai. Bon, du coup, des fois on va avoir besoin de glace et des fois on va avoir besoin de feu. Voilà. Dans un premier temps, on va avoir besoin de ça. Ah, de l'eau. Quel calor! Ouais, c'était mon petit skill en anglais, vous connaissez. Quel calor, tout ça, hein.
Hop là, on récupère la clé. Bien le merci. Le seul souci, c'est qu'ici, on va avoir besoin de regeler. Eh oui. D'où, du coup, la possibilité de faire ceci. Ça, c'est stylé, je trouve, comme thématique. Eh ouais. Pouvoir geler. Ouais, ok, en fait, c'est... Non, c'est très bien, c'est très très bien. J'aime beaucoup cette thématique. C'est très intéressant comme manière de faire. Du coup, là, on met une petite roche. Hop, on bloque. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite roche là. On fait ça. Et attention. Alors, attends. Attention. Alors, oui. Ça, c'est tout le souci. Ça, c'est... Ah, j'ai capiche. Voilà, et et en fait on fait ça. Je l'aurais fait un peu plus près personnellement. Mais après, c'est... Ah. C'est pas grave, ma foi. Et là, on met un caillou. Eh oui, mais non. Et voilà. Et là, on peut passer. On est fort, on est fort, on est fort. Ok, donc ça, en soi, c'est pas très compliqué. Ok, intéressant. Ah merde! De 1. Eh oui. Hop là. Alors ensuite. De cette manière, tout simplement. Ok, alors. Ok, donc lui il va agrandir, voilà. Bah voilà, en vrai c'est propre. On y arrive plutôt de façon très carrée, je trouve. Et là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Alors, par contre, ce qu'on va faire pour ici, parce que un peu flemmingite aigu de passer en mode comme ça. Donc on va hop, hop. Oh, j'ai bien fait de faire ça. Non mais regardez l'artiste quoi, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, un petit coffre caché, j'adore les petits coffres cachés. Un œuf d'or, merci, bonne journée. Un petit coffre caché. Hop les. Eh oui, bien évidemment ça se corse. Et je ne parle pas bien évidemment de la Corse. Eh oui. C'est un peu évident quand on me l'a dit, mais hop là, c'est pas grave. Hein. Eh oui! C'est pas grave. On va faire un truc de 2. Est-ce qu'on a... Oh, si, je sais ce qu'on a. On a lui. Et est-ce que sur lui, on peut faire des lits? Ah, c'est le seul souci. Eh oui, il peut pas tomber dans le vide non plus. À la limite, si je mets de l'eau contre le mur, ça peut peut-être marcher. Attendez,
Faut que je teste. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Regardez-moi ce talent un petit peu là. Est-ce que vous avez pas un petit peu envie de... Je sais pas, de dire que je suis un génie, d'une certaine façon peut-être. Ok, alors, ici il va nous falloir une clepsydre. Alors, le hic. Est-ce qu'on peut attraper des trucs là? Je crois qu'on a oublié un truc, non? Je ne pense pas, mais... Bah, après, on peut bien monter là-haut, hein, mais... montons là-haut. Commençons par monter là-haut. Ah! C'est un plafond. Ah oui, mais du coup, on ne peut pas passer sans clé, quoi, c'est... Étonnant. On aurait oublié un coffre? Attendez, pourtant ça, on a tout bien fait. Ça, il n'y avait rien. Ça, c'était le truc où il fallait réchauffer. Et refroidir. On a loupé une clé, vous pensez? À moins que il faut que ce soit... Non, bah non. À moins qu'il faut que ce soit pareil. C'est technique ça. Ouais, puis on n'a pas la carte. Oh! Bien. Tout bêtement, en fait, la réponse nous a été donnée de l'autre côté. Ok, donc il va falloir ramener la bouboule ici. Eh oui, il fallait se douter que ça allait être de plus en plus difficile aussi, hein. Attends, alors pour lui, d'abord, je veux d'abord le tuer parce que comme ça, il nous saoulera pas en revenant. Oh non. Ça peut être très lent, ça, vous savez. Putain, ça me brûle en plus. Parfait, ok. Eh oui. Bon, attendez, on va se rapprocher quand même le plus près. Parce qu'on n'a pas très envie d'aller de faire tout ce chemin pour rien. Ah, chiant. Chiant toujours. Chiant, chiant, chiant.
Je sais pas pourquoi j'y arrive pas là. Me brûle pas s'il te plaît. C'est en continu? D'accord. Et oui, du coup, il aurait été intelligent de mettre un truc ici pour... Bon. Ok, là, il en faut deux. Ok, ensuite... Putain, on est trop fort. On est trop fort. On est trop fort, les man. Je pense qu'on est trop fort. C'est tout en fait. Et voilà. Il n'y a plus de glace, les mecs. Que du feu, quoi. Écoutez, ne remerciez pas. Ne remerciez pas, c'est pas la peine. Je. Alors. Oh non. Si j'ai. Voilà. Et là, il y a la clé, la petite clé, parce que s'il n'y a pas la petite clé, dans tous les cas, on est dans la mouise. Alors. D'accord. Alors, du coup, est-ce que ce sont des sources chaudes qui nous régènent? Ah oui. Eh, on n'a pas le time. Hein. Voilà. C'est un peu simple. Je le reconnais, je le reconnais. La porte qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre. La carte, oui, la carte, on en avait besoin. Alors, super, maintenant on va pouvoir voir. Jusque là, on n'a rien loupé, ok. On est au moins 2, là, faut qu'on aille là pour aller au moins 3. Non, dans la transition du moins 3 et ensuite au moins 3. Et enfin le moins 4, où il n'y a que le boss. Ok, d'accord, donc le moins 4, c'est uniquement le boss. Donc il nous reste encore 4 coffres à trouver. C'est raisonnable. En plus, ouais, en vrai, ça donne 24 minutes et on a... On pourra s'arrêter juste devant le boss, normalement. Si on s'en sort bien. Oh non. Un mini-boss. C'est quoi cette horreur? Comment je suis censé le tuer, ce truc? Il m'a montré aucune de ses faiblesses. Très bien. Ok, donc l'épée, ça a l'air de rien faire. Peut-être dans l'eau? Peut-être qu'il aime pas l'eau? Il aime l'eau. Il aime peut-être pas être gelé par conséquent. Oui, je sais, c'est un peu long, mais j'ai qu'un seul truc qui gèle vraiment de façon très efficace, et il est loin. On va essayer de le geler. Ah.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Oui! Attends. Et là, normalement, du coup, peut-être que tu aimes. Alors que tu aimes. Être frappé quand t'es gelé. Parce que du coup, tu deviens consistant. Deviens consistant. J'ai compris. J'ai le délire. J'ai le délire. Ok. Alors vas-y, viens. Allez. Allez! Allez, et toi? Allez, hop! On le tape! Allez! En vrai, ça va, il est pas très compliqué. Hop. Toi, t'es foutu. Eh oui. C'était évident. Allez, viens ici, toi. Dis donc, j'avais la voix enrouée. Oh, mais je l'ai toujours. Attendez. Ok, un monstre gélatineux n'aime pas quand il est gelé, c'est évident. Bah écoutez, c'était plutôt intéressant comme façon de faire. Il s'est étonnamment retrouvé devant ce petit truc qui gèle, mais il est étonnamment efficace, hein, étonnamment. Ok, donc là du feu. On comprend le délire. Là, c'est fermé, d'accord. Ok, là, ça va demander d'être ce qu'on appelle Ah oui, c'est de l'eau. Attends, s'il te plaît, voilà. Arrête! Bon, il me faut des blocs de glace. Bloc de glace. Ici. Elle a de l'eau. C'est pas grave, on a réussi. Hop là.
Ouais, d'accord. Alors, voilà, parfait. Si on met un rocher. Revenez tous. Faut qu'on trouve un moyen. Après. En soi. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ici? Oh, je sais, tout simplement. J'ai une idée qui peut être intéressante. Eh oui. Alors après, ça peut marcher si on en envoie plusieurs, par exemple. Regardez. Voilà. Bon, attendez. Si, j'ai une idée. On va mettre un truc qui vole, mais qui est consistant. Bah, genre ça, en vrai, ça peut être poussé par le vent, je pense, non? Des fois, je pense que je suis un génie et que juste des fois, on me comprend pas. Ok, j'ai compris. J'ai alors là, mon gars, l'idée du siècle. Parce que ça vaut 1. Donc si je fais ça, et de 1. Et de 2. Et de 3. On va pouvoir faire un truc de ce style. Et de 4. Et ensuite, toi, tu vas arriver là. D'ici là, tu vas avoir récupéré ta flamme parce que t'es un lumisole, donc c'est un peu le but de ta vie de récupérer ta flamme. Parfait. Et ensuite, on peut s'occuper du dernier. Non, mais je pense que tu vois, tout est une question de génie. Et quand on a, comme moi, le génie, je pense qu'on peut tout s'accorder. Voilà. Tu vois? Non mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de génie, c'est que c'est quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas, en fait. Voilà. Ok, donc là, il y a un gros bouton. Eh oui. Donc il va falloir réchauffer tout ça. Oh, j'ai une idée. Parce qu'il me semble pas que si on fait ça, ça marche.
Et non. Alors que si par exemple on fait ça. Ah. Alors, ok. Nouvelle question. Est-ce que ça passe au travers? Non. Ah, technique. On ne peut rien envoyer au travers. Je propose qu'on aille d'abord du coup là-bas. Voir ce qu'il y a. Peut-être y a-t-il une solution à notre souci premier du nom. Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment la salle du boss. Ok, alors. En fait, il faudrait... Le truc, c'est qu'il faut réchauffer la salle. Le problème, c'est que pour réchauffer la salle... Il nous faut ça. Ah non, pour réchauffer cette salle, il y a une autre salle. Je l'avais pas vu, my bad. Ah non, parce que j'ai toujours pas ce petit œil là. Mais non, à chaque fois il disparaît. Je veux pas. Réapparaît. Je veux la voir. Sorcier de feu. Attaque-le. Mais il y a bien un moyen de le one-shot, ce man. Je comprends pas. Enfin, on prend le... Bon d'accord, c'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais... Bon, passe encore. Oh, wow. En fait, il me paraît plus long que prévu. Bon, les amis, c'est pas grave, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là la prochaine fois. On finit le temple, on bat le boss, et ensuite, on fera les petites quêtes du Mont Hébra. C'est comme ça qu'on va se faire. Parce que sinon l'épisode va durer trop longtemps. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air et à commenter bien évidemment, car je réponds à tous les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous follow sur Twitch pour suivre les lives avec nous. Sur ces belles paroles, passez une excellente journée, une excellente après-midi, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et bye tout le monde. Allez, ciao.